C'est sur une parcelle de 260 mètres carrés que les élèves de Mahina et de Mohorea cultivent depuis près de 6 mois. De la citronnelle, des blettes, du basilic et surtout de la patate douce qui est aujourd'hui prête à être récoltée. C'est vraiment de la pratique beaucoup pour moi. Car maintenant, je sais comment gérer aussi pour l'alimentation. Cela donne beaucoup de conseils sur la santé aussi, les nutritions. Pour moi, c'est très bien. Un petit défrichage et les tubercules sont visibles. Une récolte qui, malgré un sol difficile, semble plus que satisfaisante. On l'a travaillé à la main, on l'a beaucoup aéré, on a fait des buttes. On y a rajouté du compost local. Donc on a planté sur les mêmes techniques que nous on plante à Okunuhu et là le résultat est plutôt très satisfaisant puisqu'on obtient un rendement qui dépasse les 2,5 kg, on est presque à 3 kg par mètre carré. Ces jeunes, on essaie de faire en sorte qu'ils aient une activité physique régulière, qu'ils aient des pratiques, des comportements alimentaires meilleurs, et puis enfin qu'ils sentent bien à l'aise dans l'établissement. Donc parmi un certain nombre de choses, on a fait un fa'apu. Ces élèves pourront goûter aux fruits de leur labeur. En effet, ces tubercules, comme tout ce qui est cultivé ici, finiront dans les assiettes servies à la cantine.